tu voulais un coup de poing, bon jeune Montréaliste. Ça n'a pas plus de chance, mon fille. Il t'aurait eu plus de poing sur la table. Enfin, des gens colorés. Hé, hey, coulerés. Coulerés. Tu veux savoir l'histoire, mon enfant? Ça s'adonne que t'as les forgerons pour te faire. Ça fait que prends ta idée de parole, là, avant qu'elle s'envole. Parce que tu sais, nous autres, elle court en dos large. On revient plus à terre pour voir ce qui reste qui. Je vais la passer entre vous deux, est-ce que c'est possible? Oui, monsieur. Merci. Je sens que nous allons vivre un moment historique aujourd'hui. Oh, je parle pour toi, jeune. Parce que pour nous autres, cette histoire-là, ben, ça commence à être du vieux vécu comme pas les rapus. C'est pas d'hier qu'elle se pratique ici, ta pêche en amoureux à Passepéa, là. C'est pas d'hier que ça a commencé. Ça, là, monsieur, là, ça a commencé par les Indiens. Oui. Là, à vrai dire, là, c'est eux qui ont donné le nom du pays Tashkibiak. Ça veut dire en effet, battue, fendue par eux. Mais il y en a d'autres, par contre, des plus crédules. Qu'eux autres disent plutôt que c'est Ipsigiak. Ipsigiak. Tu sais quoi ça veut dire, le jeune Ipsigiak? Aucune idée. Ça veut dire barachoir. Tu sais quoi, ça, barachoir? Barachoir. Aucune idée, monsieur. Non, Joséphine, il ne sait pas grand-chose. Parce que il n'y a pas beaucoup d'histoire, là. Hey, c'est barachoir. Barachoir. Pas plus avancé pour ça, madame. Arrêtez-vous. Mais c'est quand même. Oui, parce que j'ai beaucoup écrit. Oui, c'est très. Mais là, laisse-nous faire si tu veux savoir le reste. C'est arrivé vers les années 1500. Oui. Bien avant que Jacques Cartier découvre le pays au nord de France, les pêcheurs basques, normands et bretons sont venus pêcher par ici. Ah oui. N'empêche que ça, c'est juste après la conquête. Oui. La vraie pêche commerciale à la morue est venue s'installer ici, sur la pâture française. C'est vraiment intéressant. Je n'en reviens pas. Vous m'apprenez beaucoup de choses. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ben oui, c'est merveilleux, madame. Notre histoire, monsieur, en train de vous débrouiller, notre histoire. On a assez payé cher toute notre vie. C'est parce que madame, je suis sous votre charme. Ah oui, on a assez payé cher toute notre vie, monsieur, pour l'emmener avec nous autres, jusqu'à l'autre bord. Ça fait que prends ton temps, laisse-moi parler de la prospérité. Parce que tu vas voir que la faillite, là, elle viendra bien assez vite. Toujours que c'était un Benjamin Charles Robin. Est arrivé ici en 1766. De Jersey. Je le sais. Dans la Manche. Sais-tu ce que c'est que la Manche de jeune? Mon Dieu, la Manche. Entre la France et l'Angleterre, madame. Et les francs pareils, hein? Aussi à Tignes-Jacques. Mais oui! Lui, là, il était venu en expédition après. Quand il a vu qu'on avait un très beau port naturel, ben du poisson, il a décidé de s'installer par ici. Ah oh, oui! Puis, printemps suivant, il s'est fait construire une maison, des entrepôts. Et ça, c'était tout pour surveiller ce qui se passe ici, tu le vas, là. L'année d'après, là, 1770, là, justement sur la côte, fait construire son empire. Passer l'hiver à Passepéa. Puis en 1774, il a fait venir de Saint-Servan et de Saint-Malo un groupe de réfugiés acadiens. Des Acadiens à Passepéa. Bien sûr! Mais le pire est à venir, monsieur. 1776, la guerre d'indépendance a commencé. Oh mon Dieu! Les corsaires américains, ils ont tout détruit sur leur passage. Et même les bateaux à Charles Robert, lui, il a dû s'enfermer dans son office à côté, puis au moins voler ses boucles à l'argent de ses souliers. Il a eu assez peur, le grand seigneur, qui est retourné chez lui. En 1778, juste pour revenir par après ici depuis 5 ans plus tard. Hey, comment ça fait, Joséphine, 5 ans? C'est pas compté, 1783. Et pour laisser des familles à l'abandon, monsieur, a su venir par les autres mêmes. Puis lui, pendant ce temps-là, le torieux. Torieux? Oh, vous pouvez l'écrire, monsieur de Rome, qui est T-O-A-R-R-I. Il y avait une. Je ne sais pas écrire, mais il y a quelque chose. Vous pouvez même mettre un X, monsieur. Parce que le fameux monsieur Robin, ben, il vous a profité ses argents dans les banques de par là-bas. Avec le résultat qu'on connaît nous autres sites aujourd'hui. Vous dites? Ben, que l'histoire suit son cours, le jeune. Ça serait très bien de prendre une petite photo. Vous m'avez l'air très photogénique. Et un portrait, vous m'avez fait? Oui, vous m'avez fait un portrait de nous autres. C'est pour ça qu'il y avait un Kodak. Ce mec-là, ce qu'il veut. Là, Joséphine, nous allons devenir des vedettes. On va paraître à la gazette. Ah, jamais. Peut-être une autre aussi dans la chaise. Comment allez-vous? Ben, si vous pouvez. Montre ça, comment mon grand-père se faisait poser avant. Je vais ça. En noir et blanc.
Ah, bon, ben merci beaucoup. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Non, c'est toi. Elle va finir cette histoire-là. Je t'ai dit, là, comment est-ce que c'est pas faute, là? Je t'ai dit qu'il était revenu il y a 5 ans, là, 1783. Oui, oui, oui. Dans la Charles Robin Compagnie, garçon, a continué de prospérer. Tout part et tout arrive ici, à Prospero. Oui, 1784, on a eu l'arrivée d'un contingent royaliste. Hein? Mais ça, là, c'était seulement des Anglais. Il n'y avait pas un Français là-dedans. Moi puis Joséphine, on ne sait pas parler anglais, là. Mmh. 1791, il a fait construire ce chantier maritime. Il a continué d'exporter 15 000 quintaux de morue par année, là, monsieur, en Espagne et au Portugal. Oui. En 1802, ce gars-là, il a décidé de prendre sa retraite. Puis oui, Charles Robert, tu n'avais jamais marié. Tu comprends pas la personne, si t'es un gars qui se marie pas de moi? Ça, ça dépend des gens, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un homme intelligent. Non, non, non! Une personne! Un vieux personne! On peut acheter son magasin. Non! Oh, un vieux personne, monsieur! Un vieux garçon? Un vieux garçon! Ça fait que lui, là, il a laissé ses affaires à son beurre, Junior. Philippe, hein? Non, non, monsieur. À Passepayon, on ne dit pas Philippe. Flip. Elle fait fi, elle le vit, et fait. Comme on dit, le profit amène le profit, la charogne la vermine. Une autre compagnie s'installe, le Boutillier Brothers, dirigé par Édouard, Dali et Émile Boutillier. C'était des anciens gérants et comme il y avait. Vers les années 1880, les deux compagnies, ils ont été contactés. Vers 1886, on n'a pas pareil. Excuse-moi, garçon. Pas qui t'es encore ici. Lui, est encore ici. Comment t'es revenu? 1886. Jusqu'à ce que le couvercle. Parce que là, la Jersey Banking Company a fait faillite. Hein? Eux autres, là, ils ont fermé le pas, puis ils sont partis, là, chacun de leur côté. Laissant le pêcheur ici, puis sa famille à la dérive. Mais là, monsieur, ça a été des morts. Un émeute? Oui, parce que dans les magasins en arrière, les gens, nous tout ramassaient, tout pour eux. Si ça n'avait pas été du curé qui avait à l'époque, comment ça s'appelait? Cyprien Larivet. Cyprien Larivet. Et ça aurait pu être grave, cette histoire-là. Je comprends. C'est une véritable odyssée que vous me racontez là. Une véritable odyssée. C'est ça, un odyssée. Il y a toujours des gros mots, lui. Une odyssée? Pas une odyssée, monsieur, c'est une histoire, mais une histoire vraie. C'est vraiment une belle histoire, madame. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour mon reportage. J'ai vraiment eu un grand honneur de vous rencontrer, madame, monsieur. Fait que si vous voulez bien, je vais me retirer parce que j'ai pas mal d'autres reportages à faire. Est-ce que vous restez à dîner, monsieur? Oh, madame, non, madame. Vous savez, durant mon séjour en Gaspésie, qu'est-ce que j'ai mangé? Attendez un instant. J'ai mangé du hara. Oui. J'ai mangé de la morue. Mm-hmm. Mais la morue, je pense que ça a été plus loin. Il y a eu des gaux et des foies. C'est ça. C'est l'estomac de la morue, ça. Oui, en farine, oui. Des têtes. Puis ce matin, ben, je filais comme pas trop bien. La madame, elle m'a dit, j'ai une petite recette pour toi. Elle m'a donné un verre de jus d'orange. C'était comme un peu huileux. J'ai mis comme une demi-tasse d'huile de foie de morue là-dedans. Et je pense que je commence à avoir des petits glou glou glou. Y a-t-il une petite toilette pas loin d'ici? Dehors, monsieur, dehors. C'est du fond un couvert de moi. Un couvert de mieux. Tape-moi. T'as bien fait ça, ma voix. Ça va pas passer à TV. Ça va passer à TV par la radio. Puis moi, ben, je m'en vais continuer de descendre mon morue. Ben, tu fais bien, t'as plus. Construire les maisons pour venir avoir différentes longueurs, différentes grosseurs. Il était correct parce qu'il ne fendait pas le bois. Le courant couvrait les particules du bois, le carré et les écrans.